suis en 15. Je suis mort à la fin. Et yo les gars, c'est Azanili, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors les gars, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, je vais vous présenter un gameplay nucléaire sur la bêta de World War 2. Donc cette nucléaire, elle a une chose de spécial, déjà elle est en solo. Donc c'est nucléaire en solo les gars. Et en plus de ça, la nucléaire, quand je l'ai eu, il était 19h02 ou 8, un truc comme ça. En gros, j'ai réalisé la nucléaire alors que la bêta, elle était fermée. Genre la dernière game de la bêta, j'ai réalisé la nucléaire en solo. J'ai vraiment stressé en plus. La nucléaire les gars, et vous avez rien à dire, elle est express à mort, je suis en solo, je crois que je l'ai fait en 4 minutes, 3 minutes, elle est en solo, elle est super express cette nucléaire les gars, je sais pas dans combien de temps, je regarderai, je pense que je mettrai, comment ça s'appelle, à l'écran je mettrai un petit chiffre, enfin genre le temps que j'ai mis pour la réaliser les gars, entre le premier kill, hein, pas entre le début de la première manche, entre le premier kill que j'ai fait et le kill jusqu'à ce que j'ai la nucléaire, je vous mettrai une petite affichage du temps. Et vraiment je pense que je l'ai fait super super rapidement. Donc les gars, j'étais pas avec lui dans la game, enfin dans la game du jeu, mais j'étais en vocal avec lui, donc c'était Tsunami. Donc sa chaîne sera en description les gars, donc n'hésitez vraiment pas à aller la voir. Il fait du Call of Duty, des facecam, tout ça, il fait des trucs, il fait un peu des gameplays, il est dans la END clan. Donc voilà, donc en tout cas les gars, moi je pense que je vais vous laisser avec la fin de ce gameplay, parce que voilà, parce que c'est vraiment un gameplay énorme les gars. Une nucléaire en solo sur World War 2, je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, mais c'est vraiment difficile à faire. Mais du coup voilà, donc c'est maintenant tout dans Call of Duty. Oula, je bégaye là. J'ai que deux nucléaires en solo les gars. Donc celle que j'ai fait au début de la bêta et celle-là que j'ai fait alors que la bêta elle est censée être fermée. Genre la bêta elle était, genre il était plus de 19h, genre en fait je t'avais dit qu'à 19h elle était fermée. Moi je pensais genre qu'à 19h ça allait tous nous kick des salons. Et du coup genre vers 19h j'étais en série, j'étais dégoûté. Comme vous avez vu en plus à la première manche j'étais en 15-0 et j'ai pris un truc assez bullshitage on va dire, c'était un bullshit que j'ai pris les gars. J'ai pris un bullshit en 15 au début de la première manche, donc non, à la fin de la première manche. J'avais un peu le seum là, comme vous voyez je suis en 15-0 en même pas en 2 minutes, je suis en 15-0 les gars. Donc c'est vraiment express, hein, c'est vraiment express les gars. Du coup bah je vais faire rapidement la nucléaire, hein, très rapidement, je l'ai débloqué très très rapidement la nucléaire. Franchement je pense que c'est la nucléaire la plus rapide que j'ai fait sur Call of Duty World War 2 les gars. Parce que genre déjà je l'ai mis en une manche mais vraiment rapidement, donc je suis fier. Enfin, je suis content du moins. Donc en tout cas les gars, c'était Vazanili, moi je vous laisse avec la fin du gameplay, je vous dis ciao ciao, à la prochaine les gars. Et la nucléaire est en 3 minutes 28, donc je pense que c'est la nucléaire en solo la plus rapide du monde, je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est la nucléaire la plus rapide au monde en solo les gars. Donc moi je dis salut. J'ai encore full streak encore. En brutal. Nucléaire, c'est bon. Nucléaire pour la dernière game de la bêta nucléaire. Let's go. Merci, merde. Attends, je peux faire des GS. Tac. Ouais, voilà. J'ai peut-être moyen double si j'enchaîne bien. Ah, je suis mort. Let's go, nucléaire sur la dernière game de la bêta. Let's go, les gars, let's go.